J'aime bien l'idée qu'à chaque sauvegarde, les rares respawn. J'ai combien de torches? Je devrais avoir assez. Tac. Quelqu'un a remis l'arbre? Ok. Et maintenant, comment on descend déjà? Escalier haut. Ah, juste, juste au début de la zone. J'ai ma mitrailleuse, hein. Oui. Alors, hop. Impossible d'utiliser ceci. Possible d'utiliser ceci. Ok, oui, bah oui, forcément. Tata, combiné. Combiné. Ah, d'un coup, ça va mieux. Un emblème octogonal en pierre représentant deux garçons. Le jeu va finir sur une note onirique ou quelque chose comme ça. Ouais. Au cas où c'était pas assez clair jusqu'à présent. Médaille satirique. Enfin, c'est juste un collectible à vendre. Médaille représentant un squelette servant d'une pompe à eau. Sur le revers, on peut lire Verdun, la pompe à sang du monde. On dirait que ceci ne vous servirait à rien. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est des. Ce serait marrant qu'à la fin, t'as un perso qui les demande. Un peu comme Marcel et ses clopes. Point de contrôle là. Il y a un trou dans le sol. Je ne pourrais pas revenir par ici en tout cas. Sauter dedans? Non. Bon bah ça y est, c'est la fin. Il ne répond plus du tout. Oui bah le pauvre. Il a l'air l'article de la mort, il a les yeux exorbités et le visage creusé. Entrailles du manteau terrestre, carrément. Les barreaux du portail de sortie sont complètement déformés, celui-ci refuse de bouger. Ses lèvres remuent, mais pas un seul mot n'en sort. On va pas les achever. Il est en état de choc. Ah, notre frère. Le casque. André, maman. Il ne répond pas, mais il respire toujours. Il faut que je sécurise le fort, ensuite je pourrai te sortir de là, petit frère. Quoi? Défendre le fort de Vaux? Tout seul? Ça fait aucun sens. Hé, l'ami, te voilà, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que tu veux pas vendre des pièces d'armes que je puisse améliorer mon stuff?
Ah mince. Oui, je croyais que j'en avais deux avant de lui parler. Voilà, merci. Je suis content pour toi que tu aies retrouvé ton frère poilu. Il s'en sortira, j'en suis persuadé. Je vais tenir cette position, vas-y, fais ce que tu as à faire, l'ami. J'ai comme l'impression que c'est la dernière fois qu'on se parle, poilu. Sois le fer de lance de notre assaut final et fais-les payer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Alors, on va faire l'éternelle sauvegarde. Ensuite. Ça, on n'en a pas besoin. Je sais pas si j'ai des munitions avec le fusil à éléphant. Merde, j'ai plus de munitions, j'ai tout usé. Bon voilà, ça c'est fait. Hop. J'ai raté une arme, hein, quelque part. Il y a un paquet d'armes dans le jeu, ça c'est cool. Donc, le fusil. Les munitions. C'est par paquet de... C'est par paquet de 30, ok. Et on va prendre un soin supplémentaire. T'as pas quelque chose pour l'armure, réparer l'armure. Parce que je crois pas que ça marche. On va acheter ça. On est un peu limité en place. On s'équipera directement de la mitrailleuse si besoin.
Non, ça va aller. Ça, on n'a pas de quoi prendre. Mission de fusil à pompe, plus 5. Je dis pas non. Regarde, il y avoir un paquet de points de repli. Chargeur de mitrailleuse, on l'a pas utilisé du jeu. Munition de pistolet. Ça, ça explose. Ça, c'est une masse. C'est de la poudre. D'alcool. Hop, on va l'utiliser. On aurait pu le laisser, il faut l'utiliser un petit peu plus tard, ce qui aurait été sûrement plus malin, mais. Hey. Ok. Medikit, super. Oh, c'est. Ok. Donc faut. On défend pas ici. Ou on finira sûrement par redéfendre ici, s'il y a beaucoup de matos. La porte semble être verrouillée de l'autre côté. Ça, c'est pas humain. Hein. Ils vont arriver d'un peu partout, je suppose. Ok, t'as choisi la violence. Violence a servi. Encore tanker un petit peu de dégâts. Ok. Oh, ok. Fusil. Ouais! Tu peux avoir des munitions de. C'est quoi? Ah, ça lance là. C'est quoi ça? Y a pas... y avait pas une. Inventaire plein, c'est pas grave. Utilise ça. On avait encore un peu de temps, mais. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Thank you.
C'était vraiment cool que je fasse péter le bidon, mais bon, c'est pas grave. Merde, pistolet. Défendre le périmètre extérieur. Ah mais j'ai le pistolet, je l'ai sur moi. Bon, ça s'est bien passé. Périmètre extérieur, c'est quoi? C'est devant ou c'est derrière? Normalement, ça devrait être devant. Oh oh, oui, c'est là. Trouvé. J'ai toujours mon fichu pigeon. Il y en a encore plus par là. Sortir. C'est pas trop fort. Un molotov? Ah, c'est ça qui donne qui fout le feu comme ça. Ok. Oups. On a un invité de marque. T'es pas le soldat le plus affûté du régiment. Hein. Voir quelque chose. Ça me ferait marrer que le pigeon, il fallait le ramener au pigeonnier au début. Alors, je vais devoir m'occuper de toi très vite, merci. Pas exactement ce que je visais, mais ok. Pire en pire son tremblement. Nice.
les salauds. Masque à gaz, équipe SM. Quoi? Il est temps. Alors là, tout de suite comme ça, je suis pas convaincu. Après, il était affiché qu'elle faisait un point de dégâts, mais bon. Il est mort l'autre? Ah oui. Non, non, il était pas mort. C'est quand même pas ouf. Et c'est vraiment pas précis. Oh, double lance-flamme. Oh, c'est pas fun. Je veux dire que les munitions s'épuisent nettement moins vite que ce que... Ah bah il est mort aussi. S'épuise nettement moins vite que ce que je pensais. Ok, je croyais que c'était d'autres zombies. Oh, bonjour. Limite un petit peu la taille de la reine, mais ça. Le manque de visibilité est gênant, mais... On va s'en sortir.
J'aime bien le fait que ce soit un morceau de piano. Comme notre frère. Autant aller voir Pierre. Ah, bon, bah finalement, un peu bruitant la fin. Enfin, la fin. Ah, peut-être courir un petit peu. Pas faire une sauvegarde. Pierre. Porter Pierre, oui. Désolé pour vous. Clé déformée. Vous avez débrouillé la porte grâce à la clé déformée. André, je... J'en plus mes jambes, André. Je suis... Oui. C'est dans mes bras, effectivement. Oh. J'ai pris un café, je l'ai laissé refroidir à côté. Ah, tant pis. Mes jambes. Tu vois, j'avais raison. Oh, ils sont en train de cramer, eux. Oh, mais c'est dégueulasse. Ça, je peux pas le faire, moi, avec dans le jeu. Bah, il est mort. J'en pue mes jambes. T'inquiète, je te porte. En bas? Passe? Ouais, si, je peux passer là. Maman, non, moi c'est ton frère. La montre. On l'a pas retrouvée la montre. J'espère qu'on l'a pas vendue. Nous aussi on s'écroule. Il est mort. Eh merde.
Et lui, il est froid. Lui aussi. Seconde classe, André Hiver. Pour désertion, pour opération non commandée. Ah, le H, je le savais. Reconnu coupable de couardise, refus d'engager l'ennemi, bien sûr. Au cours des batailles durant lesquelles ces hommes eurent le plus besoin de lui. C'est vrai qu'on est parti un peu de notre côté, mais. Peut pas dire qu'on baignait autour de la hiérarchie, on va dire. Préparer armes. Ah, ils vont tirer sur leurs potes, hein. Caplo? Au moins, c'est une fin à l'image de la guerre, que c'est absurde. J'aime bien la fin. Elle était ultra prévisible. Et enfin, le décès des deux frères était ultra prévisible. Après, la forme, c'est juste la forme. Le recul des territoires allemands fin 1916 annonça la fin de la terrible boucherie de Verdun. Fin décembre, l'armée française avait ainsi regagné tous les territoires perdus aux mains des Allemands. Mais à quel prix? En effet, Verdun avait déjà gagné le statut de bataille la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Pour l'instant. C'est la vie de 300 000 hommes qui prit fin au milieu de ces collines balafrées. Une grande partie de ces soldats n'étaient encore que des adolescents et de jeunes adultes. Et ceux qui ne versèrent pas suffisamment de leur sang furent considérés comme des lâches. Il me semble que ça se calme après cette. Peut-être, je sais plus, il y a une année où c'est particulièrement sanglant, ça doit être 1916 du coup, et après ça se calme. Il n'y avait alors qu'une seule façon de régler leur cas aux lâches. Oh, c'était un bon jeu! Terminé chapitre 6. Obtenir la fin 2A ou 2B? J'allais dire, je suis pas sûr que je vais le refaire, mais ben. Je regarderai ce que c'est, cette histoire de plusieurs fins. Bon, sinon, le reste de mes commentaires, tiens, hein, le jeu est un peu trop long pour moi. Je suis vraiment pas fan du fait que ton gars ait du mal à viser. Qu'il soit pas précis, c'est ok, y a pas de problème. Mais le curseur qui fait. C'est pas ma came. Ça me branche pas. Les environnements manquent de lisibilité par moment. Tu finis par t'y faire, mais au final, tu te dis juste, ok, faut longer les murs, quoi. Faut longer tous les murs, parce que tu rates sûrement un passage. Et puis voilà,
Si on devait mettre une note sur 10, ce serait facilement un bon 7 sur 10, tu vois, donc c'est correct. Enfin, c'est ça, c'est clairement un bon jeu. Après, c'est pas mon jeu de l'année. Je sais même pas ce que c'est mon jeu de l'année d'ailleurs. Il y a eu quoi cette année? Il y a eu plein de trucs cette année. On verra bien, on verra en décembre. Donc ouais, c'est un bon jeu, si vous avez l'occasion de le faire, il est pas très cher de mémoire. Ça peut valoir le coup, et puis bon, c'était chouette, hein, dans tous les cas, c'était très chouette. On va gentiment attendre que le générique se termine. Peut-être une fin où on survit. Ce serait cool. Je me suis si mal débrouillé que ça d'ailleurs. Mon script. Ending. Il y a 8 fins alternatives. Good game. Oui, bah oui, comme un idiot. Donc pour que Paul survive, en fait, il fallait lâcher le pigeon. Je sais pas où il va le lâcher, par contre. Ah, c'est pas mal. Donc ouais, j'ai oublié de lâcher le pigeon. Enfin, je pensais que ce serait un prompt en fait. Et sur le segment final, j'ai juste zappé. Il est dit, enfin, ils nous disent effectivement qu'il faut lâcher le pigeon pour appeler, pour que les médics arrivent. Mais j'ai pas pensé que ça concerne, que ça concernerait notre frère.
Game Scout? C'est quoi un Game Scout? Comment ça, fin de lâche? D? Ah oui, tu me diras, j'ai fait 67 sauvegardes. h 12. Ouais, probablement 2 heures de moins pour quelqu'un qui joue correctement. Ah, apparemment, du coup, hein, comme je disais, la différence entre entre la fin A et B, a priori, c'est uniquement une question de sortir le pigeon ou pas. Et si tu fais le pigeon, Pierre survit. Maintenant, il y a d'autres alternatives, effectivement. J'ai peut-être pas assez tué d'ennemis pendant la bataille du chapitre 4. A priori, le nombre d'ennemis tués peut jouer. Donc, bon, tant pis. L'uniforme déverrouillé, tunique. Vous pouvez changer de costume depuis le menu pause. Comment ça, tunique? Trench coat. Oh. En chargeant un fichier de sauvegarde terminé, vous commencez une nouvelle partie avec les armes et objets de partie précédente. Écrasez le fichier de sauvegarde, vous ne pourrez obtenir le rang S avec ce fichier de sauvegarde. Oui, si tu veux que... on va regarder cette histoire d'uniforme, de costume. Oh, moi j'ai dû merder un truc. J'ai le pigeon. Uniforme standard et trench coat. Ah, mais trench coat, j'ai un casque. Ouais, ouh. Nouvelle partie. Alors attends. J'aurais dû écraser la dernière sauvegarde? Hop, je suppose. Faire on était où là? Ah oui, j'avais dit que je sauvegarderais pas parce qu'on n'avait pas besoin justement. C'est quoi? Si ça prend juste quelques minutes, on va essayer. Non, ça va pas prendre quelques minutes. Ok, on va en rester là.
Hop là. Bon. Bah c'était conscrit, c'était plutôt cool. Quand même, hein, comme j'ai dit, un bon 7 sur 10, je pense. Facile. Et probablement plus si c'est votre genre de jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour je sais pas encore quoi. Ciao!